won't somebody tell me and answer if you can? I want someone to tell me what is the soul of a man. Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 17ème épisode de mon let's play sur le jeu Mad Max. Et donc la dernière fois c'était absolument épique, on avait fait un énorme épisode de 40 minutes où on avait combattu Scrotus qui en fait était toujours vivant avec une hache dans la tête, une hache, une tronçonneuse dans la tête, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Et il nous avait limite défoncé, on avait fait un gros rêve bizarre avec notre femme et un mec à tête de chien, c'était n'importe quoi. Et donc voilà, on devait se diriger vers Diphria. Sauf qu'évidemment, c'est quand même un coin qui est... Bon, allez. On va dire dangereux. Pour pas dire vraiment très dangereux. On va quand même y aller. Même si je sais pertinemment que la bagnole qu'on a, elle est pas du tout assez améliorée. Mais c'est pas grave, on va y aller quand même. On va essayer de survivre dans ce territoire hostile qui est la zone de Diphria. Je suis même pas sûr qu'on puisse le prendre, je crois qu'il faut le reprendre niveau 6, que je n'ai pas encore. Oui. Alors ça c'est trop solide. Ah! Je casse ma magnum opus sans rien faire. Ouf. On se fait courser. Il y a un sniper. On va y aller à fond, hein. On va aller super vite. On va pas faire autre chose. On va pas tenter le diable. Alors ça fait un bout de temps que j'ai pas joué, hein. J'ai eu 7 semaines de cours entre. Aïe, oui. Du coup, voilà, j'ai dû me remater l'épisode d'avant pour me remettre dans le bain. Mais sinon, ça va. On devrait y arriver. Là, il va falloir qu'on fasse deux projets à la forteresse de Diphria, mais on va déjà y aller, histoire de débloquer le point d'accès. On va aussi qu'on aille peut-être au ballon sonde. Parce qu'il y a un ballon sonde dans la zone, faudrait peut-être s'en servir. Ah, c'est un temple! Oula! J'ai un peu cassé la bagnole contre la porte, je crois. Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, on peut faire le projet armurerie, c'est cool. On peut faire le projet armurerie. C'est ceux qui sont en bleu. Voilà. Ok, un projet de fail, il en faut deux. Une nouvelle mission. Ah, c'est bon, en fait, il en fallait juste un. Oh bah tiens, d'accord, il en fallait deux mais j'en ai fait qu'un, ça a suffi. Bon, il y a plein de missions secondaires débloquées un peu partout, il m'en reste une là, il y en a où aussi? Il y en a plein à Diphria j'ai l'impression, il y en a plein ici aussi. Bon, je suis pas sûr qu'on va toutes les faire parce que sinon le let's play il va encore durer 20 ans. On va demander au moins à Hope ce qu'il faut. Ensuite on verra bien. On verra bien, on verra bien. Ah mais il est là-bas, Hope. Je passe par l'intérieur. Ok, on va voir Hope. Ok, j'arrive au niveau de Hope. C'est un foutoir ici. Je suis passé dans des endroits, c'est flippant. Et c'est très grand, en fait. Scrotus est tearing up the town for you. We gotta get out of here. I won. The prize. Where is it? If you help me. My daughter. You gave me the chance to free her once. She ran, aided by the old man. I never helped you. Don't. I see what's behind the crazy in your eyes. I will help you find what you seek. And then you will bring me my child. The big chief. I need it. Now. Through here. In Stankum's garage. You'll have to drive it out of there. I'll find you after. And you will do right by me. Now go!
Ok. Le Big Chief. Va falloir aller chercher le Big Chief. Il est là-dedans. Ah, d'accord, on n'est pas tout seul. Aïe. Faut que je réapprenne à me battre un peu quand même. Voilà. Va falloir atteindre le garage de Scorbut. J'aime bien lui qui regardait en haut, tranquille, peinard. Des cartouches de fusil, c'est cool. Non, ça n'a pas l'air d'être par là. Je suppose que le Big Chief est bien gardé. On va s'amuser. Putain, c'est n'importe quoi ici. Oula. Oula là là là. D'accord, je suis hors de portée, il me balance des cailloux. Oula. Aïe. Faut vraiment que je réapprenne à faire du corps à corps. Parce que c'est plus ça du tout. Voilà. Non mais. Bande de petits sagouins. Ah, là ça sent la porte à faire péter. Ok. Ah, c'est encore loin, on dirait. Hein. J'ai pas l'impression qu'on soit tout seul derrière. Wouah! Ah, c'est dégueulasse. Sérieux, les gens. C'est devenu complète. Ouh, de la flotte. On va en avoir besoin de la flotte. C'est que je suis parti un peu à Walp. Avec rien de spécial, j'ai rien préparé, pas de plan ni rien. Je me suis pas amélioré, rien du tout. On rush l'histoire comme un gros porc. Aïe. Ouh, le V8. Le V8, ma gueule. Ah. Il y a les gens de Scorbut. C'est bon. Allez. Chance, il a tué son, enfin, il a tapé sur son copain. Allez, voilà, ça y est, rentrez chez vos mamans. Laissez-moi travailler. Ah, c'est quoi cette souquette à la con? À la con, refaire le plein du groupe électrogène. Ils sont sérieux. N'empêche, je sens qu'avec le V8, on va aller déjà un petit peu plus vite. Hein? 8 cylindres au lieu de... Juste... Ah non, il faut passer par au-dessus. Au lieu de juste 6, ça va aller un peu plus vite, ça va dépoter.
Mais en fait, c'est ça. Je crois que la différence entre V8 et V6, en fait, c'est le nombre de cylindres qu'il y a dans le moteur. Bon, on va enfin récupérer ce sacré moteur qui est un peu la quête de Max jusque-là. Faire le plein. Allez, c'est parti. Ça, c'est de la bagnole quand même. Ça, c'est de la grosse bagnole. Wow, 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 wow. Je sens que la conduite, ça va pas être n'importe quoi. J'ai des brûleurs latéraux et j'ai un flingue. Ah! Casse-toi, lâche-moi, je veux passer. Oula! Ah oui, d'accord, je lui ai roulé dessus, ça lui a pas fait du bien. Zut, c'est pas là que j'aille. C'est monstrueux. C'est quoi ce truc? Ah d'accord, j'ai la nitro aussi. Il faut que j'aille où? D'accord, au temple de Deep Freer, allons-y. Je vais essayer de regarder la carte. Waouh! Ça leur fait mal. C'est plus dur à diriger, mais qu'est-ce que ça peut leur faire mal? Lâche-moi. Oula! Ah, mais lâchez-moi! Il y a beaucoup trop d'ennemis. Allez, on avance. Ah, c'est n'importe quoi, ça avance pas là-dedans. On dirait de la mélasse. Oh, mais ils sont sérieux, on dirait qu'il manque de roues là. Bon, c'est bon, on y arrive. Et ben on l'aura, ce V8, enfin. Don't get too excited. We need to get the hell out of here. Oh, yes, yes. The immortal. He ransacks the pueblo. Yeah, but he thinks he's going to dismantle you piece by piece. I will wed the big chief to the angel in a ram, and then we'll see. Ah, peinard, le mec qui s'installe sur le trône. Ok. Pourquoi pas? J'aurais peut-être dû faire les missions secondaires aussi. J'ai l'impression d'avoir manqué les morceaux. Bon, après le mec c'est une légende maintenant. Tiens, il y a là-haut, là-haut. Le chariot Big Chief, bah dis donc. Oui! Oui! Orgasme métallique. Avis aux mécanophiles. Allez, fais-le rugir un peu. Ah, elle va s'inviter, c'est ça? Hey!
is the child? She'll know this. Tell her to trust you. Tell her Mama Hope is waiting. Here. She'll be here. That's where the old one brought her. This desert dweller with his cloak and his staff. But he'll have kept her safe. Tell her. Tell her she is Glory. Her name is Glory. Hope and Glory. Cute. 16h d'où ça? Ça sort de où? J'aurais dû faire les autres missions, parce que ça sort un peu de nulle part. I never asked you your name. Max. My name is Max. Oh, cette réplique! Cette réplique légendaire! Max. My name is Max. Bon, tout ça nous dit pas où est-ce qu'il faut aller. Je suppose que le mec avec un bâton, c'est bidule, là. Allez, d'accord. Faut qu'on aille là-bas. Eh ben allons-y. Ah, ils ont coupé le son. Je sais pas pourquoi là, tout d'un coup le jeu est devenu beaucoup moins... Ah, si, c'est bon. Alors. D'accord, c'est moi qui ai eu le plus de dégâts des deux, c'est pas grave. On se casse. Eh hey, oh, vous êtes sérieux? J'ai un méga moteur maintenant. Alors, vous me laissez vous distancer. Allez, par contre... C'est pas ça. On va continuer à avancer. On va essayer de les distancer. Et on va passer la porte. Bref, je suis un peu planté. Ok, j'ai juste tapé un peu au mauvais endroit, mais c'est pas grave. On se casse. Je me suis pas cassé dans le bon sens, c'est pas grave. La rentrée dans le tunnel le moins classe du monde. Incroyable. Bon, allez, on y va. Je vais aller voir ce qui se passe par là-bas. Ok, on y est. C'est les restes d'un ancien avion. Où il y a des cadavres de squelettes un peu partout. The old man, as she said, the child's keeper. Was its keeper? This is honorable work, yes. But to do good, it's best to be alive. No, every second here we risk everything. We're close to the under dune. She's down there. That's what I'm saying. This is Buzzard Land. Finally, you see, we gotta burn. Light it up. Oh non, pas le retour vers la cage des vautours. Je vais pas supporter ça. Suivez les traces de pneus. Bon bah, on va y aller, hein. Mais j'ai juste pas envie de retourner voir les vautours. C'était déjà beaucoup, beaucoup trop flippant pour moi. J'ai pas envie d'y retourner, mais c'est pas grave. On va devoir le faire quand même, j'ai l'impression. Ok, on y arrive. Oula, oula. Ah d'accord, on arrive jusqu'ici d'un coup. Nothing to do but roam around until, by chance, they spew us out. We're here for the child. But why? Why? The buzzards use children to dig around for loot. They're called diglings. Oh no. How deep in the gloom of their horrible tunnels, I'd wager. Dites-moi que c'est une blague, mais j'ai juste pas du tout envie d'y retourner. Bon bah on va devoir y aller, hein. Et par contre il va quand même très très vite.
cette nouvelle bagnole va quand même beaucoup plus vite que la dernière. En tout cas, accélère beaucoup mieux. Ah, pas trop le choix. Ah. Oh là 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 là. Ok. Qu'est-ce que ça pue? Bah, les cages d'escalier, c'est toujours horrible de toute façon. J'ai pas envie. J'ai pas envie du tout. Mais arrêtez de me faire flipper comme ça. Je vous ai rien fait, moi. Ah non, mais oh. Moi, je me balade pas à des endroits comme ça, hein. Stay with the car. Ah l'enculé, il nous laisse. He's gone. Gotta go deeper if I want to find these diglings. J'ai peur. Vous me croyez si je vous dis que j'ai un peu peur là? Attends, faut monter. Come here. Ah non, c'est Q. Non, c'est A. Ah, ouais, c'est vrai, c'est A. Tellement longtemps que je peux pas jouer. J'ai peut-être utilisé une munition pour pas grand chose, mais bon, voilà. Ça me disait bien. Oh la vache. Hey, hey, hey. You know, if there's another one. Down here. With that name, Glory. No. Down there. C'est tellement crade. Must keep looking for the child. Enfin, on va continuer. So, it's one of three. Oh, génial, avec ma chance, ça va être les deux que je vais fouiller qui seront pas bons. Allez, on va tenter celui de gauche. Qu'il n'y ait personne. C'est flippant. Vous devez rien voir, parce que moi je vois rien non plus. Et j'ai remarqué que c'était beaucoup plus noir sur les captures. Ce qui est assez étrange en fait. Bon, voilà, déjà, un fail. Bon, allez, on va chercher le reste. J'aurais dû tirer. Oh,
vois rien et en plus de ça il me... j'arrive pas à les toucher. Il est où le dernier? Voilà. Allez, dis-moi que c'est le bon. J'ai envie de me parer ici. Évidemment, non. Allez, si ça se trouve, ça s'est écroulé sur la gamine, on n'en parle plus. Je veux me barrer de là. Enquêter sur le bruit, ok. Alors là, je fais quoi? D'accord, par là. Leave me alone, Buzzard. Your mama's name is Hope. She's got red hair. She calls you Glory. Oulala, ça va être la grosse galère. Je me bats pas avec une gamine dans les bras. En plus, j'aimerais bien finir la mission pour arrêter là l'épisode. Sinon, il va être encore trop long. Oh non, tu te traînes, mec. T'es obligé de te traîner autant? Oh. Alors dites-moi qu'il y a une cinématique pour accélérer tout ça. Dites-moi qu'il y a une cinématique pour accélérer tout ça. Oui. Ah ouais. C'est un boss. C'est un boss. Peut-être éliminer les petites merdes qu'il y a autour. Si j'arrive à les toucher. Oula. Ok. Ah. Wow. Voilà, ça y est. On peut enfin entamer le boss. Aïe. Ouah. Allez, vas-y, cours. Il
Non mais merde, pourquoi je l'ai foncé dessus? En plus il y a plein d'autres buzzards qui sont arrivés. Voilà. Allez viens là. Pas vous. Ok. Peut-être en laisser un en vie. Allez. On va lui virer un peu de vie. Ouais, non, sauf s'il vire la mienne. Allez, fonce vers moi, s'il te plaît. Et merde, évidemment, il ne reste plus assez de vie. Ah merde! Allez! Je vais pas perdre contre toi, ça serait débile. Ça y est. C'est gagné. Come on. That's all right. Oh, j'ai eu tellement de mal à me battre. C'était ridicule. Arrête de te traîner, s'il te plaît. Mais oui, mettons une enfant dans une voiture comme ça, c'est totalement... En plus, je crois qu'il y avait une pique qui lui traversait le ventre. Ok. On se barre. Vite. Je suppose qu'on va se faire. Ok, faut que j'apprenne à conduire. On va sans doute se faire avoir par quelques vautours. Oh, mais... C'est quoi cette conduite ? Ah, oula, oula, oula. But why the underdog? Mama had to scratch him out. A safe place for him. Ah non, mais là je suis bloqué. Buzzer was already there. The man was killed. You did good. You survived. Allez, on y avance. C'est grave. Un jour j'apprendrai à conduire, je vous jure. En fait, c'est assez léger comme véhicule. Vu que ça fait des tours sur lui-même assez facilement. Je pense que c'est extrêmement léger en fait. Et ça a une adhérence merdique. C'est pas des pneus qu'il a, c'est des cailloux lisses. Oula, oula, mais non. Larguer des mines, espace. C'est cool ça. On peut larguer des mines, ok. Bon, bah je crois que... Oh là 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 là, on en a pas fini. Par contre, il met pas cette vance. Allez, c'est moi qui te passe devant maintenant. Combien j'ai de mines ?
sais qu'on est dans un jeu vidéo, mais quand même, les munitions sont quand même ultra décomptées. Et les mines, non. Non, on jure. Comment ça, non détecté? Mais je peux pas être non détecté, les mecs qui me suivent comme si c'était pas permis. Ah, pousse-toi, s'il te plaît. Allez, on avance. C'est bon, ils m'ont lâché. On va pouvoir y aller. Ok. On y est. Ok, on a retrouvé Glory, c'est cool. Bon, et bien ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là l'épisode. On reprendra, dans 3 jours pour savoir quel est le fin mot de cette histoire, parce que je pense qu'on arrive vers la fin. En tout cas, c'était bien cool comme épisode pour reprendre pour moi, vu que ça fait un bout de temps que je n'ai pas tourné. Et j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis quant à moi, je vous retrouve dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous, portez-vous bien.